Le ministre des Transports, Dominique Perben, s'est prononcé aujourd'hui pour une réglementation européenne des émissions de gaz carbonique des voitures. Des solutions écologiques existent déjà, comme vous allez voir dans ce reportage de Carole Veynois et David Cosset. Ce geste, a priori banal, est tout simplement révolutionnaire. Alors là, je remplis mon réservoir d'eau pour rouler avec, pour économiser du carburant. Vous roulez avec de l'eau ? Je roule avec de l'eau et du gasoil. Avec l'enthousiasme et l'énergie de ses 24 ans, Kevin a bricolé sur sa vieille Renault Diesel un système qui permet d'injecter de la vapeur d'eau avec de l'essence. Le procédé est simple, il se compose d'un réservoir appelé bulleur et d'un réacteur, un tube avec une tige à l'intérieur que l'on introduit dans le pot d'échappement. La vapeur, on va la fabriquer dans le bulleur. La vapeur va venir glisser entre la tige et le tube, qui est chauffé par les gaz d'échappement. Et à la sortie de ce réacteur, nous allons envoyer ce mélange gazeux, issu de vapeur d'eau, dans l'admission d'air. C'est le moteur Pantone, du nom de son inventeur, un ingénieur américain. Depuis 1998, ses plans de montage circulent sur Internet et dans le milieu associatif écologiste. Le génie de Kevin, autodidacte en mécanique, c'est de l'avoir réalisé et ça marche. Quand le système est en route, le moteur tourne mieux, on a l'impression que le moteur est mieux réglé. On a besoin de moins appuyer sur la pédale d'accélérateur pour monter une grosse descente, surtout pour les véhicules anciens. Nous avons mesuré dans un centre technique les gains obtenus en termes de pollution, c'est spectaculaire. Pour les émissions de CO2, on passe de 8,6 à 0,1 avec le système Pantone. Résultat tout aussi satisfaisant pour les oxydes d'azote et les hydrocarbures imbrûlés. Démonstration avec le test d'opacité des fumées à droite, sans transformation du moteur, à gauche avec le procédé Pantone. Quant au gain de consommation en carburant, il est de l'ordre de 20% et ça n'est que du bricolage. On peut alors se demander pourquoi les constructeurs ne s'y intéressent toujours pas.